Moi, c'est Jean Roy, photographe et vidéaste de presse pour La Tribune. La journée typique d'un photographe de presse, c'est très varié. C'est ce que j'aime aussi dans ce métier-là. C'est qu'on va vers différentes affectations au fil de la journée qui peuvent être un fait divers, une conférence de presse, un spectacle, les sports, de tous les types de sports. Ben, le mandat d'un photographe de presse, dans le fond, c'est de ramener l'information visuelle d'un événement qui s'est passé. Il faut que la photo parle au lecteur aussi. La photo doit parler, doit transmettre quelque chose, doit témoigner. Au cœur de ce métier-là, il y a les gens sans avoir un regard voyeur sur leur vie, mais en faisant notre travail aussi d'aller capter l'information. On vit dans une période où l'image est hyper importante, mais qu'il n'y a jamais eu autant d'images qui a été faites par un peu tout le monde, avec l'avenue des téléphones aussi qui prennent des photos, tout le monde prend des images. C'est encore plus justement challenger pour nous autres d'aller chercher la vraie information, d'aller chercher, de faire ressortir l'émotion, parce que c'est pas tout de prendre une photo. Ce que j'aime aussi du métier de photographe de presse, c'est l'opportunité qu'on a d'aller dans des lieux qui sont pas accessibles nécessairement aux gens habituellement. C'est intéressant de savoir que les photos qu'on crée, certaines vont vraiment avoir une répercussion dans le temps, des années après. À quelque part, on documente l'histoire.